Pour l'avocat frit, commencez par le couper dans le sens de la longueur, puis enlever le noyau en prenant soin de ne pas abîmer la chair. Ôtez alors délicatement la peau à l'aide d'une cuillère à soupe et taillez chaque moitié d'avocat en 4 quartiers. Panez ensuite les quartiers d'avocat à l'anglaise, c'est-à-dire trempez-les dans la farine, dans les œufs battus, puis dans le panko. Il ne vous restera plus qu'à les frire à 180 degrés, quelques minutes avant le dressage, sans oublier évidemment d'éponger l'excès d'huile avec du papier absorbant. Pour la sauce acidulée, vous allez tout d'abord couper en dés l'échalote, une pomme Granny Smith et le piment de Piquillos. Salez, poivrez et ajoutez en mélangeant de l'huile d'olive. Pour le dressage, vous devez arranger les quartiers d'avocat frit les uns sur les autres afin de créer du volume. Puis, taillez à la mandoline une pomme Granny Smith, créez de délicats cônes et les disposez sur l'avocat. Enfin, versez la sauce acidulée sur l'assiette. Voilà comment réaliser des avocats frits sauce acidulée en 15 minutes chrono pour épater vos amis.